Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans cette nouvelle vidéo essai. Il y a pas longtemps, je suis allé voir Avengers Infinity War, comme beaucoup de personnes. Et si j'ai trouvé le film vraiment cool, je trouve qu'il met en exergue un problème majeur que rencontre Marvel au cinéma. Donc j'ai décidé de revoir très vite l'historique de Marvel au cinéma, puis ensuite parler un peu d'Infinity War. Pour finir sur quelques théories qui fleurissent depuis quelques temps, et lesquelles me paraissent probables ou pas. Aujourd'hui, on va voir le problème de Marvel au cinéma. Alors, j'aimerais commencer en vous prévenant que j'aime beaucoup les films Marvel. Et à l'exception de quelques déceptions, je trouve que l'univers est très réussi, surtout vu sa longévité. D'ailleurs, toute la phase 1, donc Avengers 1 et les films d'avant, sont très bons selon moi. Seulement, je pense que la stratégie de Marvel a fini par les perdre. Lors du lancement des premiers films solo en 2008, Marvel Studios n'était pas vraiment sûr du succès de l'univers étendu, surtout n'avait pas beaucoup d'argent. Ils ont alors décidé d'engager des acteurs peu connus, ou alors à la dérive, pour les payer moins cher. Aussi, ils leur ont fait signer des contrats sur 5-6 films, pour éviter d'avoir à les augmenter en cas de succès. Et c'était une idée brillante, qui engendra un gros problème. Je n'ai jamais peur qu'un personnage meure. Puisque Marvel aime teaser ses films 5 ans à l'avance et que les acteurs ont des contrats sur 5 films, on est rapidement spoilé. Par exemple, pour Avengers 2, on savait déjà que Captain America et Iron Man allaient finir vivants, puisqu'ils devaient se rencontrer lors d'un film suivant. D'ailleurs, puisque c'est de Civil War dont il est question, je ne comprends pas que les deux finissent le film en vie. Comme si Marvel n'arrivait pas à tuer ses héros. Regardez, depuis le début du MCU, combien y a-t-il eu de mort marquante. Agent Coulson, pas vraiment mort. Nick Fury, pareil. Loki, encore pareil. Quicksilver, sérieusement, qui était triste à la mort de Quicksilver? Bref, en tant que spectateur, je commençais à m'agacer de voir des films où je ne tremblais plus pour le personnage principal. Même dans Thor Ragnarok, Thor, qui meurt dans le comics, survit dans le film. Et c'est ici qu'intervient Avengers Infinity War. Je préfère prévenir, ça va spoil assez sale. Avengers 3 se définissait lui-même comme un tournant pour l'univers, qui allait perdre des personnages importants. Et dès les 10 premières minutes et la mort de Loki, j'ai fait... Ok, le film en jette. Aussi, pendant le film, j'ai vraiment cru à la mort de Tony Stark, ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette peur. Bon, et maintenant, la fin. C'était une claque, rien à dire de plus. Seulement, comme n'importe quelle claque, au bout de 5 minutes, on se rend compte qu'elle aura pas vraiment de conséquences. Je veux dire par là que quasiment tous les héros morts ont déjà une suite de prévu. Donc au final, Infinity War n'a pas vraiment réglé le problème de Marvel au cinéma, selon moi. Mais si, je le répète, je trouve le film très bien, et j'ai vraiment passé un très bon moment. Alors, certes, Vision est mort, mais encore une fois, sérieux, qui était triste pour Vision? Le problème, c'est qu'en sortant du film, je me demandais plus comment ils allaient revenir, plutôt que quelles seraient les conséquences de leur mort. Voilà ce qui est selon moi le problème majeur de Marvel au cinéma, qui est notamment dû à son univers très étendu. Il y a donc une amélioration, puisqu'Avengers 3 a réussi à me faire trembler pour les personnages, mais après avoir relativisé, les morts pourront toujours revenir. Et donc comme je le disais, la fin d'Avengers 3 est ouverte à plein de théories pour les fans. J'aimerais qu'on en voit ensemble 3 que j'ai vu revenir assez souvent, que je vous donne mon point de vue dessus, et que vous puissiez aussi le faire en commentaire pour chacune des théories, et même proposer votre propre théorie. Alors évidemment, ça sera subjectif et je citerai d'où je tire la théorie à chaque fois. Première théorie. Alors, je n'ai pas vraiment de source pour cette théorie, puisque je pense qu'on se l'est un peu tous faite en voyant le film. En fait, selon cette théorie, les Avengers se contenteraient de récupérer la pierre du temps en remontant avant le décès de la moitié de l'univers. Je ne vois pas beaucoup de contradictions. Alors, on peut remettre en cause la puissance nécessaire par quelqu'un pour manier une pierre d'infinité puisque Strange est mort, mais par exemple, Thor pourrait très bien le faire. Néanmoins, j'espère que cette théorie ne se réalisera pas car je la trouve vraiment simple et pas très intéressante. Et surtout, ça gâcherait un peu l'univers Marvel selon moi. Il n'y aurait vraiment plus aucune conséquence puisqu'il suffirait de prendre la pierre du temps et de remonter le temps pour l'annuler. Théorie numéro 2. Celle-ci, je l'ai vue fleurir dans les commentaires YouTube et dans la vidéo de Luigia. Je ne sais absolument pas si je prononce bien son pseudo, désolé mec, tu fais des très bonnes vidéos quand même. Cette théorie voudrait que ceux qu'on voit disparaître sont ceux encore en vie en fait. Ce qui correspondrait pas mal puisque les héros qui ne disparaissent pas sont les seuls à ne pas avoir de suite de prévu et les acteurs en plus n'ont plus vraiment de contrat. Seulement, si on part de ce principe et que donc les héros qui n'ont pas disparu mais qui sont en réalité morts ne reviendraient pas, pour que ça concorde avec les contrats des acteurs, cela signifie donc que les Avengers ne réussiraient pas à vaincre Thanos et à faire revenir la moitié de la population de l'univers, ce qui me paraît du coup bien moins probable. Ou alors ils se débrouilleraient pour faire revenir la moitié de la population de l'univers mais pas les Avengers qui sont morts. Théorie numéro 3. Dernière théorie qui est, je trouve, très intéressante. Je l'ai d'abord vue sur un groupe Facebook de fans de comics, puis dans une vidéo d'Aerosef. Je vous mets le lien juste en fiche. Elle repose sur l'existence d'une septième pierre, la pierre de l'ego. Cette septième pierre est insensible aux autres et permettrait donc de battre Thanos. Mais là où ça devient intéressant, c'est que son détenteur ne serait autre qu'Iron Man. En effet, son réacteur serait la pierre de l'ego, ce qui explique le fait qu'il ne soit pas affecté par les pouvoirs de Loki. Il y a
pas mal d'autres indices, je vous laisse aller voir la vidéo d'Aerosef, elle est très bien faite. Je trouve cette théorie vraiment cool, même si ça m'étonnerait que Marvel sorte quelque chose qui remonte autant, puisqu'il faudrait même remonter au père de Tony Stark qui l'a plus ou moins créé. Je pense qu'il faut quand même le garder dans un coin de la tête. Aussi, petite dernière théorie bonus qui n'est pas vraiment une théorie, mais les réalisateurs viennent d'avouer que Gamora était en fait emprisonnée dans la pierre de l'âme. Et plusieurs fans se disent qu'en fait, ceux qui sont morts, donc la moitié de la population de l'univers, est aussi renfermée dans la pierre de l'âme. Et peut-être que Avengers 4 se passera en partie dans cet univers parallèle dans la pierre de l'âme. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à partager avec vos potes, et surtout à me dire en commentaire ce que vous pensez de chacune des théories et en proposer. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. Il existe un site pour savoir si Thanos vous a tué, quand il a tué la moitié de l'univers. Je vous mets le lien en description et ça apparaît juste à l'écran. On se retrouve dimanche prochain à 17h pour une nouvelle vidéo. Ciao!